Ouh, toi, mon vieux là-bas. Ouais. Toi, tu vas finir dans mon enclos dans pas longtemps. Bouge pas, t'inquiète. Il n'y en a pas pour longtemps. Salut tout le monde, c'est Jolate. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Minecraft. Eh ouais. Eh ben, ça a poussé par ici. C'est plutôt cool, ça. Attendez, je peux le récolter? Bien sûr que je peux le récolter. Et je vais en replanter d'autres. Donne-moi tout ça, mon vieux. Voilà, je prends. Il est type merveilleux, mon potager. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et encore une fois, dans les commentaires, beaucoup d'astuces, beaucoup de commentaires, beaucoup de likes sur la vidéo. Ça fait super plaisir, franchement. Je suis vraiment chaud pour la suite de Minecraft, du coup. Et franchement, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Eh bien, la dernière fois, on avait remplacé le plancher de ma baraque. J'avais dit aussi que je voulais la faire tout en bois. Mais du coup, pour l'instant, elle va rester en pierre. Mais j'envisage de la faire tout en bois pour les prochains jours. Alors, en tout cas, beaucoup d'astuces dans les commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Merci à tous pour vos encouragements, votre aide sur le jeu et tout. Ça fait vraiment super plaisir. Merci encore une fois pour les likes, les partages sur la vidéo. Ça fait très plaisir. Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup plaisir en même temps dans une seule phrase. Mais c'est vrai. Il faut que j'aille fabriquer une hache. Et la dernière fois, je vous avais demandé si vous étiez chaud pour la série. Je vous avais demandé si vous pouvez mettre 3000 likes sur la vidéo. Eh bien, c'est un truc de fou, vous en avez mis bien plus de 3000, donc ça, ça fait super plaisir. Alors cette fois-ci, si vous êtes vraiment chaud pour du Minecraft, si vous êtes vraiment chaud pour la suite de la série, est-ce que vous êtes capable de mettre 3500 likes, on va dire. À 3500 likes, on sort la suite de Minecraft direct. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vraiment, vous êtes au top. Et je crois que je vais faire une petite hache. Je vais la faire en fer. Attendez, à moins que j'en ai mis une... Mais non, dégage-toi. À moins que j'en ai mis une dans mon coffre. Non, j'ai rien dans le coffre. Vas-y, on va faire une petite hache en fer et tout, tranquillement. Voilà, impeccable. En tout cas, les gens, oubliez pas, comme d'hab, vous avez toujours un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. C'est bien cool. Et en attendant, je vais regrouper mes lingots de fer. Je vais mettre tout ça dans mon coffre. Et j'ai du diamant aussi. J'ai du diamant quand même. Est-ce qu'on se ferait bien une pioche en diamant? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bah, de toute façon, vous pouvez pas me répondre tout de suite. Bah, écoutez, je fais la pioche en diamant. Et vous me dites après si c'était bien ou si c'était pas bien. Moi, je pense que ça peut être bien. En tout cas, vraiment, à chaque fois, je lis tous les commentaires. Je prends toutes les astuces. Alors, je sais que tout le monde n'a pas des astuces à donner sur le jeu. Donc, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément Minecraft. Mais c'est pas grave. Même si vous passez par là, vous ne connaissez rien à Minecraft. Eh ben, vous pouvez mettre un petit commentaire quand même pour dire que vous êtes passé. Ça fait plaisir quand même. Et puis, si vous avez rien à dire, eh ben, vous avez qu'à mettre un point. Voilà, vous mettez un petit point. Ça fera un commentaire. Et moi, je vous répondrai par un point d'interrogation. Voilà. Et si vous voulez contrebalancer le contre-commentaire, eh ben, il faudra me répondre avec un point d'exclamation. Voilà. Comme ça, ce sera cool. J'aurai pas les chaussures qui craquent? Ou alors c'est le plancher qui craque? Oui, j'en sais rien. Super chelou, quoi. Écoutez, c'est le moment d'aller... Ouais. C'est le moment. C'est le moment de faire une barricade. Et je vais aller choper le père mouton, mon vieux. Ah, bah, j'ai déjà des petites barricades. Attendez, parce que ça va faire... Je sais pas si ça va être bon, 62 barricades. Où est-ce qu'on va faire la barricade? Alors la dernière fois, je vous avais demandé dans les commentaires où est-ce qu'on pouvait mettre la bibliothèque. Vous savez, pour faire les enchantements et tout. Ça, vous m'en avez beaucoup parlé dans les commentaires, des enchantements. On avait dit soit en haut, soit en bas. Bon, vous aviez pas l'air d'être tous bien d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais trancher. Plouf, plouf. La bibliothèque ira en bas. Bon, bah, il ira en bas. Voilà. C'est pas moi, c'est comme ça, mon vieux. C'est le destin. Tiens, je vais replanter un petit peu de blé ici, tranquillement. Voilà, on va faire ça comme ça, impeccable. Et bah c'est nickel ça, attendez. C'est cuit ça? Ah non, c'est cuit, oui, yes. C'est cuit enfin, ouais, on s'est compris. C'est cuit, d'accord. On va replanter 2-3 graines et c'est nickel. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit aussi dans les commentaires, j'ai pas très bien compris d'ailleurs, si je fais un carré à droite, un carré à gauche et que je mets de l'eau de chaque côté, apparemment ça donne une source d'eau infinie. J'ai pas très bien compris, va falloir me réexpliquer ça. Ce serait super cool franchement, parce que là j'ai pas très bien compris le coup de... Ouh, toi là-bas. Ouais. Bougez pas, on va faire l'enclos. Alors où est-ce qu'on fait l'enclos? Je le ferai bien moi sur la droite. Il y a de la place par ici. Ouais, je ferai bien le petit enclos par ici. Ah ouais, regardez, en plus on a les armures et tout. On s'est mis super bien franchement hein, depuis la dernière fois. What? J'ai pas pris les barricades, je reviens. Voilà, j'ai été chercher les barricades. C'est bon, c'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit enclos bien sympatoche pour accueillir le père mouton. Le père mouton et ses amis, bien entendu, s'ils veulent venir. Oh, t'inquiète pas, je vais leur mettre une botte de foin sous le nez, tu vois, qu'ils vont vite appliquer. T'inquiète pas. Comment qu'on va faire? Comment qu'on fait un portail déjà? Attends, ça c'est la grande question, ça. Comment qu'on fait un portail? Je vais trouver, de toute façon. Voilà, je vais aller après à l'établi et on va voir comment qu'on peut faire un portail. C'est plutôt pas mal pour la grandeur de l'enclos, là. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? C'est cool ou c'est pas cool? Faudra me dire tout ça.
Voilà. Attends, par contre, ce qui va pas être cool, c'est qu'il va falloir... Voilà. Il va falloir faire un petit portail. Ça, c'est cool. On va faire genre un petit sas de sécurité et tout. Tranquille comme ça. Voilà, je vais aller à l'établi et on va essayer d'aller faire un portail. Merde, mais j'ai enfermé dans l'enclos. Par contre, je commence à avoir faim. J'ai une pomme à manger. Ah, j'ai 64 de redstone aussi. Ça, c'est cool. Je vais manger la pomme. Voilà, bougez pas, de toute façon. Ouh, viens ici, toi. J'ai posé une torche. De toute façon, on va se faire un sacré gueuleton par la suite. Puisqu'on va attirer le père mouton et tous ses amis dans l'enclos. Donc ça, ça va être cool. Qu'est-ce que je voulais faire, là? J'étais parti pour faire quoi? Je sais plus. Un portail. Ça, c'est une échelle. D'accord. Bon, bah, tu me diras, on en aura peut-être besoin. C'est comme ça. Non plus. Putain, c'est comment le portail? Bon, écoutez, là, franchement, je capitule. J'abandonne. Je ne sais pas du tout comment qu'on fait un portail. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles. Bah, la preuve que non, parce que si j'avais tout essayé, j'aurais dû faire un portail. Encore un truc qu'il faudrait que vous me dites dans les commentaires, s'il vous plaît. Comment faire un portail? Voilà. Là, je suis complètement paumé, mon vieux. Putain, ce délire, j'ai passé la journée à essayer de faire un portail, quoi. Vous avez vu ça? C'est un truc de fou, quoi. Ça fait nuit. Bah ouais, mon vieux, tu m'étonnes. Laisse tomber. Bon, eh bien, écoutez, il y aura pas de portail. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attirer le père mouton. Et après, je vais l'emmurer. Je vais l'emmurer vivant là-dedans, mon vieux. T'inquiète pas. Alors, c'est parti. On va attirer le père mouton. Par contre, putain, en pleine nuit, Ouais. En pleine nuit, c'est risqué. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dormir. Dégage, toi. Dégage. On va vite aller dormir. Et puis, elle rentre pas là. Tu rentres pas, hein? Ah ah! C'est con ça, hein? Ouais. Tu te serais pas cassé la gueule des fois? Non, ça va. On va dormir un petit coup. Et puis, on se retrouvera demain matin. Bonne nuit tout le monde. Ah! Quelle bonne journée qui se prépare! Ah bah voilà! Putain, mon vieux. C'est fou, elle gueule encore l'araignée là. Allez, on va aller chercher le père mouton. C'est l'heure. Tiens. Voilà, c'est lui que je veux, moi. Ouais, c'est lui que je veux. Ah, t'aimes ça le blé, hein, mon coco, hein? Allez, viens, je vais t'en donner du blé. Ouais, vas-y, belle, mon ami. Viens avec tonton Jolate. Oh oui, tu feras des parfaits gigots pour Noël, toi. Allez, viens, vas-y. Oui, vas-y. Tu vas voir, il y a un petit cadeau pour toi. Allez, viens. Viens, mon père mouton. Viens. Oui, belle, vas-y. Vas-y, belle, mon ami, belle. Vas-y, viens. Allez, encore un petit effort. Ouh, t'es fatigué? Allez, viens. Allez. Il sent l'arnaque. Tiens, mon père mouton. Tiens. Il sent l'arnaque. Non, c'est bon, il est con. Allez, vas-y, viens. Vas-y. J'ai cru qu'il avait senti l'arnaque, mais finalement, non. Allez, viens. Ouais, vas-y. Viens ici. Non, c'est bon. Non, bah tu me diras, t'es bien là. Attends, je vais vite le renfermer. Voilà. Je vais chercher tes copains, j'arrive. Allez, on va aller chercher un de ses potes, vite fait. De quelle couleur qu'on va le prendre? Parce que là, on a le choix. Hein. On a un noir là-bas. Hein? Un noir, un gris. Bon, écoutez, j'attirerai bien les deux. Hein? Oh, et puis toi, mon petit cochon, j'arrive aussi là-bas. Allez, venez les gars. Viens ton copain aussi. Viens. Est-ce que le cochon... Ah bah mon vieux, bah il y a tout le monde qui se ramène. Ah le cochon, il aime pas... Non. Il bouffe autre chose, le cochon. Allez, venez. Venez mes cocos. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un enclos de moutons. Je vais faire ensuite un enclos de poulet. Je vais... Vous inquiétez même pas. On va se mettre bien, mais ça va être un truc de fou, quoi. Allez, et hop. Viens. Allez. Ouh, il aime pas ça, lui, le blé. Alors, mon vieux, t'es pas difficile. Allez, viens. Allez. Ouais, vas-y, belle. Vas-y, belle, mon coco, belle. Vas-y, viens. Allez. Allez, venez, les gars, venez. Attends, j'attends ton pote derrière. Ouh, toi, t'es gourmand, le petit noir, là. Hein. Oh, oui. Par contre, le gris derrière, là... Hein? Il a pas l'air d'en vouloir, de mon blé. Allez, vas-y, venez, les gars. Allez, viens. Laisse tes copains rentrer un petit peu, là. Voilà, les gars, c'est bien. Voilà! Allez! Faites-moi des petits maintenant là! Vas-y là! Vas-y, fais un petit mouton là! Allez, vas-y! Hop, je vais. Vas-y! Allez, il va faire. Vas-y, voilà! C'est bien, tu vois? Et bah voilà! Vas-y, mangez! Je vais aller voir s'il y a du blé qui a poussé! Ah bah bien sûr que ça a poussé! Regardez ça! C'est impeccable! Et là, franchement, on commence à se mettre bien! J'ai récupéré quelque chose? Des graines, je crois! Je récupère rien. Ah si.
C'est bon, des graines, ok. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un zombie dans le coin là. Ouh, oui, vas-y, vas-y, gueule, gueule. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà creuser la salle pour la bibliothèque. Oh! Putain, mais qu'est-ce qu'ils font tous là, mon vieux? Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Ah oui, c'est vrai. Mais des torches pour éviter les spawns, je sais, j'y pense pas. Putain, mon vieux, ils sont chez moi. Bon, on va faire le ménage. Allez, les gars. Dégagez. Putain. Dégagez de là, mon vieux. Je vais te les niquer. Voilà. Allez, dégagez. Dégagez de là. Voilà. Eh ben, mon vieux, c'est bon, ça. Je vais mettre un peu plus de torches. De toute façon, on va faire des fenêtres. Alors, je sais, il faut aller chercher du sable pour faire du verre et tout. Mais on peut pas tout faire en même temps, les gens. On peut pas tout faire en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un truc. Tranquillement. On va la creuser où? On va essayer de creuser sur le côté, par ici. Voilà. On va faire un genre de truc comme ça. On va creuser une petite galerie ici. Et je pense que la salle d'enchantement va être par ici. Là, ça va être bien cool. En plus, on récupère du charbon. C'est plutôt pas mal, ça. Ouh, attends, fais voir que j'utilise la pioche en diamant, là. On va essayer ça un petit peu. Ouh, putain, ça va vite, hein. Ouh, ça va vite, mon vieux. Ouh, que ça va vite. Par contre, je sais pas si c'est bien cool que j'utilise la pioche en diamant pour faire ça. Mais c'est pas grave, c'est tellement bien, franchement. Ah, c'est excellent, franchement, ça va trop vite, quoi. Je vais pas trop l'utiliser, parce que si je veux récupérer de l'obsidienne... Alors, la dernière fois aussi, vous m'avez dit que les blocs, c'était pas de l'obsidienne, en fait. C'était du gravier incassable. De la bedrock, voilà, c'était ça. On va agrandir un petit peu ici, tranquillement. Et bah voilà, mon vieux. Impeccable. Donc, impeccable, il me manque un peu de planches de bois. Donc, faut que j'aille recouper du bois. Mais là, je sais pas ce que vous pensez de notre petite salle de bibliothèque. Notre future salle de bibliothèque. Parce qu'encore faut-il que je crafte la bibliothèque. Mais elle est plutôt pas mal. Hop, on va poser une torche ici. Une torche ici. Et puis, il faut que j'en pose en haut aussi des torches. Ouais, ouais, ça va pas du tout. Ici, je vais faire des petits escaliers et tout. Vous allez voir, ça va être nickel. C'est pas ça, qui se fout là, ça. Non. On va plutôt faire comme ça. Voilà, comme ça, c'est parfait. Attends, c'est symétrique. Je crois bien, hein. Ouais, ouais, nickel. Ok, impeccable. Ce qu'on va faire pour faire les escaliers, on va prendre les planches de boulot. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que 16, ça devrait suffire. Voilà, impeccable. Et bah, regardez ça. C'est... Ah, ça me plaît pas, ça. Hop, tac, tac, impeccable. Alors, la dernière fois aussi, je sais que dans les commentaires, vous m'avez dit que l'espèce de petit bonhomme, là, que je croyais qu'il était gentil, bah, en fait, c'était une sorcière qui lance des potions empoisonnées. Et ça, c'est pas cool. Et apparemment, bah, on peut la tuer. Mais la dernière fois, bah, j'ai pas réussi, hein. Franchement, j'y ai mis de ses coups, quoi. Laisse tomber, mon vieux. J'en ai mis une pleine gueule. Elle en voulait encore. La pilazuli, ça sert à colorer les moutons en bleu, apparemment. Et à faire les enchantements, également. Eh ouais, vous voyez, je retiens tout quand même, hein. Je retiens. Ah, ça, par contre, je prends. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coffre des lingots d'or? Vous m'avez dit que les armes en or, c'était pourri. Donc, on se fera peut-être une armure en or. Sûrement, d'ailleurs. Ça peut être cool. Ça, on va mettre ça ici. Donc, c'est impeccable. Et bah voilà. On va manger un petit bout, tranquillement. Vas-y, fais péter. Voilà. Nickel, on est plein. C'est bon. Tiens, fais-moi des petits, toi. Vas-y. Ça, tout ça, ça a poussé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième tranchée ici. Voilà, impeccable. J'ai fait une deuxième tranchée. On va la remplir. Comme ça, Attends, par contre, ouais, si je fais pas au minimum ça, voilà. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça laisse un petit peu, quoi. Je vais chercher mon seau et on va la remplir. Par contre, j'ai pas compris le système d'eau infinie, là. Attends, si je fais ça, est-ce que ça prend... Ah, bah ça marche peut-être si je fais ça. Attends. Ça se vide ou pas? J'ai... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Merde, mais arrête! Je vais essayer de faire comme on m'a dit. Alors attends, c'était quoi le délire? Donc on va dire que si je fais ça, est-ce que là j'ai de l'eau à l'infini? J'ai pas trop l'impression, hein. Ah non, pas vraiment. À mon avis, j'ai pas compris comment que tu voulais me dire. J'ai pas bien compris. C'est pas grave. Voilà, impeccable. Et bah là, c'est nickel. Peut-être que ça va pousser plus vite comme ça. Maintenant qu'il y a de l'eau des deux côtés. Je sais pas, en fait. Je dis ça,
Ça se trouve, ça a strictement rien à voir. Voilà, on va essayer de faire une tranchée comme ça. Par contre, j'ai plus de graines. Ah merde, c'est dommage, j'ai pas assez de graines en fait. Alors par contre, comment qu'on va crafter une bibliothèque? Un bateau avec des rames et tout? C'est excellent. Je le prends, ça peut servir. Franchement, je sais pas comment faire la bibliothèque quoi. Je vais faire un deuxième enclos à côté des moutons. Oui, oui, oui mon mignon, oui mon mignon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a foutu? Ah oui, il a brouté le gazon lui mon vieux. Ah bah oui, ils ont peut-être faim. Ils ont peut-être faim, je vais y donner du blé. Ouais, ouais. Les cochons, ça mange autre chose. Tiens, vas-y, faites des gosses. Alors, ça pousse ici. Ouh, ça pousse pas des masses. C'est quoi ça? Oh! Un squeletteur! Je me casse. Quoique, je vais me le faire. Je m'en fous, j'ai l'armure. Voilà. Impeccable. Elle se recharge toute seule, mon armure? Ou comment ça se passe? Je crois pas, hein. Putain, il est en train de brouter le gazon, lui, mon vieux. Attendez, bougez pas, j'ai sorti les grands moyens, mon vieux. Tu vas voir, je vais battre l'affaire, la bibliothèque, moi. Ah bah oui, il faut de la canne à sucre. On va aller chercher de la canne à sucre, c'est parti. Ok, nickel. Ah, bah quelle belle journée qui s'annonce. Alors, impeccable. On va aller chercher de la canne à sucre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire F3. Je vais voir mes coordonnées. Donc, je suis en 384. Ok, on va essayer d'aller chercher de la canne à sucre. On va partir par là. Ouh, je pense que je vais récupérer du sable aussi un petit peu. On va récupérer un peu de sable. Ça nous permettra de faire du verre pour faire des fenêtres. Ça va être impeccable. Voilà, impeccable. J'ai ramassé du sable, donc ça, c'est cool. J'avais dit combien? J'étais en 384. Hein. Voilà, faudra que je retienne. Alors, y aurait-il pas de la canne à sucre dans le coin, là? Ce serait plutôt cool. On va essayer d'aller s'aventurer un peu plus loin. Hein. Franchement, là, par contre, je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Je vais tabasser 2-3 cochons sur le chemin. Vas-y, voilà, donne-moi ça. Donne-moi tes... Ouh, donne-moi ton jambon, toi. Voilà, viens ici, mon vieux. Tiens, lui, c'est pareil. Regardez ça. Hein? Il est tout mignon, hein? Un coup dans le museau, ouais. Alors, voilà. On se casse de là. Et je vais essayer d'aller... C'en est pas, ça, là-bas, de la canne à sucre, en haut, là? Oh non, c'en est pas. C'en est pas, c'en est pas. La canne à sucre, je sais que ça se trouve au bord de l'eau, normalement. Regarde donc voir ça, c'en est pas, ça, de la canne à sucre, hein? Merde. Attends. Fais péter ça. Et le problème... Vas-y, monte, mon vieux. C'en est, ça? Oh, oui, c'en est. Vas-y, fais péter. Le problème, c'est que là, je suis parti à des années-lumière de ma base. Je vous raconte même pas. C'est un truc de fou. Et si je m'éloigne encore trop, bah, j'ai bien peur de jamais pouvoir rentrer. Mais bon, c'est aussi ça, Minecraft. C'est partir à l'aventure. Eh, ouais, c'est comme ça. C'est la grande aventure. Hein. On l'avait dit. Tais-toi, mon vieux. Alors... Bon, écoutez, là, ça fait carrément nuit. J'ai pas trouvé d'autres cannes à sucre. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir retourner à la base, mon vieux. Là, je suis à combien de kilomètres? Laisse tomber. Et 1854. Bon, j'étais à 384. Ça va encore. Je suis pas non plus. Je suis pas non plus à des années-lumière, mais je suis quand même loin. Ouh, regardez ça. C'est que ça, mon vieux. Ce serait ben une citrouille. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Dégage de là, toi. Voilà, lui. On va se le faire, mon vieux. Vas-y, vas-y, viens. Vas-y, vas-y. Allez, ramène-toi. Ramène ta fraise un petit peu, là. Voilà. Donne-moi ça. Ah, de la citrouille. Je ramasse. Je ramasse, je ramasse. Je vais sûrement pouvoir en planter. Oh ouais, à mon avis, ça peut être cool. Est-ce qu'on peut planter de la citrouille ou c'est vraiment que de la décoration, ça? Ce serait cool qu'on puisse en planter, en fait. Laisse tomber. Là, je suis parti à 15 000 km. Vas-y, toi. Tu dégages. Voilà. Je vais prendre un peu de viande, quand même. S'il me donne de la viande. Hein? Tu me donnes quelque chose, toi? À part de la laine. J'ai pas l'impression. Voilà, viens ici, toi. Voilà, nickel. Et là, laisse tomber. Je suis parti à l'exploration, c'est un truc de fou, quoi. Tiens! Il y en a encore de la canne à sucre. Là, je vais en prendre. Voilà. C'est surtout ça que je cherche. Parce qu'en fait, je vous rappelle que le but, là, c'est de ramasser de la canne à sucre, de faire du papier... Et de faire notre fameuse bibliothèque. Voilà. Ça, par contre, je ramasse direct. Voilà. Donne-moi du bambou. C'est impeccable. Attendez, c'est quoi? Il y a de la lumière là-haut. Oh, il y a de la lumière là-haut. C'est quoi là-haut? Oh, non! Alors. Toi, mon coco. Je vais me le faire, lui. Hein. Voilà, dégage. C'est bien, donne-moi des flèches. J'ai mon arc.
Yes. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Attends. Déjà, je vais prendre ça. Putain, ça crame ici. Ah bah ouais, ça crame. Il y a la lave juste à côté. Je me casse de là. Je me casse de là. Je vais juste prendre... Merde. Je vais juste prendre ça. Voilà, venez. Je vais bien me stuffer en nourriture. T'inquiète pas. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert l'XP. En fait, pas du tout même. Merde. Je me casse. Non. Je vais manger vite fait. Vas-y. C'est pas grave, hein. On le mange cru, hein. Voilà, au moins ça remonte la santé. Nickel. Vas-y, toi, dégage. Voilà. Impeccable. J'XP encore un petit peu. Nickel. Et là, putain, je suis à combien de kilomètres, là? Laisse tomber, mon vieux. Je suis trop loin, quoi. Oh là là. 1801. Bon, encore, ça va, quoi. Je suis à un peu plus de 1000. Voilà. Un peu plus de 1000 blocs. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer à la base, tranquillement. Je pense que quand je vais rentrer, il y a des chances que ça fasse jour. Ou pas. Ça dépend. Ouh, attends. Ça, je prends. Oui, oui, ça donne-moi ça. J'ai emmené une pioche. Oui, j'ai une pioche. Ça, par contre, je prends mon titi. De la ferraille. Ça m'intéresse, vois-tu. Je vais faire gaffe parce que j'ai vu un creeper juste en bas, il me semble. Ouais. Ouais, 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 ouais. Vas-y. Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi. Voilà, t'as raison. C'est bien, c'est impeccable, mon vieux. Nickel. J'en attendais pas moins. Hop, 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 hop. Je me casse de là. On se casse. Ah bah, regardez, ça fait jour. Bon. On va rentrer à la base. Le voyage risque d'être un peu long. Donc je vous retrouve quand on est à la base. Bon, logiquement, on doit plus être très loin. Normalement, je suis même à côté. Ça devrait être nickel. Impeccable. Et bah voilà, mon vieux. Le voyage s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé encore 2-3 cannes à sucre sur la route. J'ai ramassé ça, histoire d'eux. J'ai ramassé aussi un peu de laine avec les moutons. Donc ça, c'est cool. Et franchement, ce fut un long voyage. Ce fut un long périple. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, normalement, j'ai ramené de quoi faire du papier. Donc ça, ça devrait être cool. On va tout de suite aller voir ça. J'ai ramené de quoi faire du papier. J'ai ramené de quoi faire du verre. J'ai ramené de quoi faire plein de trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire du verre, comme ça. Même pour que ça aille un peu plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager en deux. Voilà. Ok, c'est impeccable. Avec la canne à sucre, comment que ça marche pour faire du papier? Donc ça... Alors, attends. Ça, c'est du sucre. Ok, on est d'accord. Eh ben, voilà. C'est ça qu'il me fallait. Attends, je regarde ce qu'on peut faire d'autre avec. Ok, d'accord. Nickel. Donc, moi, ce qu'il me faut, voilà, c'est du papier. On va en faire quelques-uns. Je pense que... Ben, je pense que c'est pas mal, hein. On va tous les faire, de toute façon. Ah non! Non, 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 je vais pas tous les faire. Attends. Il y a moyen de récupérer... Non, ok, d'accord. Je m'arrête là. Stop. Voilà. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire pousser du bambou. Ah ouais, putain, merde. J'aurais dû stopper là. Je vais faire pousser un peu de bambou, c'est pas grave. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que le bambou, c'est super rare, en fait. C'est un truc de fou, c'est trop rare. Je vais en faire pousser un peu à côté du blé. Mais arrête avec ta torche, qu'est-ce qu'il est chiant. Bon, d'accord. Faut peut-être faire ça pour le bambou. Non, même pas. Ou alors ça se fait pousser dans l'eau directement. Et par contre, je vais enlever les torches, là. C'est relou, franchement, à la fin. Attends. Comment que tu plantes le bambou? Ah! J'ai compris, il faut que ce soit entre... Ben, entre de l'eau à chaque fois, voilà. Là, je vais pouvoir en planter un. Ok, d'accord, j'ai compris comment que ça marchait. Bon, très bien. Je vais pouvoir planter un peu de bambou comme ça. On va en mettre nickel, ici. Et ben, c'est parfait. Ok, impeccable. 3 feuilles de papier comme ça. Et il me faut du cuir comme ça. Ah, voilà, nickel. Donc, on va en faire 1, 2, 3. Ok, voilà, parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire... Putain, va falloir que je range tout ça dans mes coffres, moi, au bout d'un moment. Pour faire la bibliothèque, je crois que c'est comme ça. On prend du bois, hop. Hop, yes. Et bah, voilà. Et là, on va pouvoir faire une bibliothèque d'enchantement et tout. Par contre, je sais plus comment qu'on fait. C'est avec le lapis lazuli. Donc, on va mettre la bibliothèque juste ici. Oh putain, en plus, ça va aller nickel et tout. La sainte bibliothèque. Voilà. Maintenant, comment qu'on fait pour l'enchanter? Alors attends, bouge pas. Comment faire une table d'enchantement dans Minecraft? Ah ouais, ok, je crois qu'il me faut de l'obsidienne en fait.
Il me faut de l'obsidienne. Alors attendez, on va faire un bouquin déjà. Voilà, pour faire la table d'enchantement, il faut un livre. Donc ça, c'est cool. Il va falloir que je mette tout ça dans mon coffre, mon vieux, parce que là, ça va plus du tout. Ah bah attends, bah j'ai trop de terre là-dedans. Voilà, dégage-moi tout ça aussi, là. Donc je vais essayer de la faire avec du bois pour voir si ça marche. Par contre, il n'y a rien de sûr. Il faut deux diamants comme ça. Ok, et il faut un livre par-dessus. Non, ça marche pas. Voilà. En fait, il faut de l'obsidienne. Ouais, c'est ça. Et ben, du coup, on peut pas faire de table d'enchantement. En fait, il faut de l'obsidienne. Ah, c'est couillon, ça. Oh non ! Pas ça ! Pas ça, putain. Toi, dégage. Toi, tu dégages. Tu dégages. Vas-y, faut surtout pas qu'il explose. Voilà, nickel. C'est bon. Maintenant, j'ai trouvé la technique. Hein. Faut pas spammer le clic hein, quand tu tapes. Hein. C'est une fois, tu vois, et puis tu recules à chaque fois et tout. Voilà, nickel. Ça aussi, on me l'a dit dans les commentaires. Merci à vous d'ailleurs pour toutes les aides et tout. Ça fait bien plaisir, franchement. J'ai pas fait cuire du sable, là? Attends. Ah, yes, regardez. J'ai du verre et tout. C'est nickel, ça. Voilà, ça, c'est parfait. Je vais faire cuire des lingots de ferraille. C'est parfait. Voilà. On va en mettre 3 là. Et on va mettre le reste ici. Comme ça, ça va cuire deux fois plus vite. Et je vais faire des jolies fenêtres. Regardez ça. Ça va être nickel. Voilà, nickel, regardez ça. Hein? C'est pas magnifique comme ça? Et bah voilà. C'est parfait, oui. En plus, le jour, il commence à se lever et tout. C'est impeccable. Tiens, regarde ça. Nickel. Pile poil en face de la clôture à moutons, mon vieux. Je pourrais les surveiller, tu vois. Ah, je pourrais vous surveiller si vous faites des conneries. Hein. Alors, impeccable, franchement. Alors là, là, ça tue. Là, ça tue, c'est nickel. Eh, ça commence à prendre de la gueule. Hein. On a fait les fenêtres. On a fait la bibliothèque. Pas enchanté, bien entendu. Faut que j'aille chercher de l'obsidienne pour ça. Et je pense que par la suite, je vais faire une petite grotte là qui rejoint jusqu'à ma grotte secrète, justement. Bon, et bien écoutez, sur ce, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Minecraft. En tout cas, ce fut hyper long cet épisode, pour ma part. Je pense que vous aurez des coupures, parce que j'ai fait beaucoup de trajets quand même dans cet épisode. Mais en tout cas, c'était bien cool. Dans tous les cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ce serait bien cool, franchement. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Garde-moi pas de travers, toi, mon vieux. Ouais, vas-y, va jouer avec tes camarades. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao tout le monde, bye. Hein, regardez-le, il est pas mignon, mon père mouton, là. Alors...